Un mot supplémentaire qui est sur un sujet de taille, le logement social. Il ne s'agit pas seulement d'en faire un sujet chiffré, comme on entend souvent les élus de la majorité actuelle s'argumenter sur l'équilibre entre le logement privé et le logement social. Nous aussi, nous y sommes attachés. Et disons que la barre de 40% de logement social n'est pas un gros mot, qu'il y a d'autres sujets à porter sur la question du logement social. L'un d'eux est le rééquilibrage du parc social sur l'ensemble de la métropole. Et une ville comme Vitry, qui est une des plus grosses villes de la métropole, doit porter ce message à l'échelle métropolitaine. La question aussi est comment bien vivre dans le parc social existant, dans un rapport de confiance entre bailleurs et locataires, on a parlé tout à l'heure de la solide et de l'OPH en particulier, c'est comment faciliter l'éducation dans les logements sociaux, en permettant par exemple des échanges à travers la plateforme d'échange d'habitation. La sujet sensible que nous aurons à traiter concernant la fusion promise par la municipalité entre l'OPH et la SMIS, nous avons besoin à Vitry d'avoir un vrai débat public sur l'étape nécessaire, sur cette étape nécessaire, maintenant que l'étude de scénario alternatif en préservant l'outil public municipal, c'est l'un des engagements que nous portons pour les centres de jour suivant notre mission.